Mais non, mais arrêtez vos conneries. Vous avez vu leur jardin d'enfants comme ils sont? T'es le sol est mou, tout est en bois. T'as rappelé nos jardins d'enfants à nous? C'était des barres de fer chauffées à blanc au soleil, tu mettais la main. Les toboggans étaient à 8 mètres, tu tombais, tu finissais paraplégique, il y avait des gamins qui mouraient, le lendemain leur corps était tracé à la craie par terre. Le tourniquet, vous vous rappelez notre tourniquet? Moi dans mon village, c'est l'handicapé mental de 25 ans, il vous est tourné comme ça, t'avais des enfants qui volaient, tu retombais dans du sable, il y avait des merdes de chiens, tu rentrais en sang chez toi et ta mère pour te laver, elle faisait « Allez, viens ici, viens, voilà, c'est comme ça. » Non, mais c'est tellement vrai. Oh là là, là on veut pas qu'ils aient mal, on veut les protéger, on veut leur enlever leurs notes. Plus de notes à la... À... Je vais vous dire un truc, mesdames et messieurs. Que ton fils est 3 sur 20 ou bleu, c'est un crétin. Ça restera un crétin. C'est comme ça. Et, c'est pas... et je suis sûr, pensez à vos enfants. Il y en a un, c'est un idiot, et vous le savez. C'est un peu comme la hyène dégénérée dans le Roi Lion. Il en faut un. Et c'est pas grave, il n'y aura pas que des astronautes. Il faut des policiers municipaux dans la ville de Saleil. C'est pour ça. C'est pour... C'est pour ça que je vais adopter, tu vois, c'est pas ma faute, tu vois, c'est juste ça. Si le mec ici, le prof, il me dit il est un peu idiot, c'est pas ma faute, allez voir le fournisseur, voilà pourquoi. J'ai peur d'avoir un crétin, je te jure. Oh là là.